Good morgen, allez, Iden, les Suisses, aujourd'hui, le Long Nishmat, François Fajib Ben Chana, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazatina, Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Masechet P.A., Perek Dalet Mishnah Rav. Nochri Shekatsar et Sadehu, Vachar Kach Nit Gayer, Patour Minaleket ou Mina Shechecha ou Mina P.A., Rabbi Yehuda Mechayev Beshechecha. Shana Shechecha et la Bishat Aimur. On va ouvrir un nouveau sujet dans notre Mishnah et qui va ensuite se développer dans la même idée dans les prochaines Mishnayot, jusqu'à même, je pense, 23 Mishnayot. On aura sur le même principe. D'abord, avec le cas le plus élémentaire, Nochri Shekatsar et Tzadehu. Il y a un goy qui a cueilli tout son champ. Vous savez comment on cueille le blé? On le cueille d'abord, mais après on le laisse sur place. Et après on va venir, on va le ramasser. On va faire les gerbes, et puis après on va ramasser toutes les gerbes, on va partir. Maintenant, lorsqu'on doit accueillir, on doit laisser trois dons aux pauvres. Les quêtes, Shichra ou Péa. Plutôt Péa, Shichra fois 2, et les quêtes. Je m'explique. Péa d'abord, on a déjà expliqué, c'est que je cueille le champ, j'arrive vers la fin du champ, je laisse un 60e, une bande. Si jamais j'ai tout cueilli, par erreur, je devrais laisser un 60e de la récolte que j'ai cueillie. Après, à part ça, au moment où je suis en train de faucher le blé, alors il y a des halakhot, qu'on apprendra plus dans les détails, qu'il va y avoir le shichrat kama. C'est que si toutefois j'ai fauché et j'ai laissé un ou deux épis que j'ai pas réussi à prendre dans mon couteau, dans ma fossile, eh bien je devrais le laisser pour les pauvres, ils viendront eux-mêmes le prendre. À part ça, lorsque je vais ensuite mettre en gerbe et le ramasser, alors, si j'ai laissé quelque chose de par terre, ça s'appelle Shichrat Omer, j'ai laissé un ou deux petits Omer, on apprendra le détail, il faut le laisser aussi, c'est aussi pour les pauvres. Et à part ça aussi, je ne sais pas lequel j'ai oublié, ah oui, et à part ça, celui que je laisse pendant que je suis en train de cueillir, et aussi, lorsque j'ai cueilli, il y en a un qui est tombé de ma main, selon des règles bien précises, ça s'appelle le Leket. Donc il y a Leket, Shichra, Pea. Là, on est en train de parler d'un goy qui a cueilli son champ de blé, et il n'a pas encore ramassé son blé, qu'il s'est converti. Après, il va ramasser son blé pour continuer à travailler. Entre-temps, il est devenu juif. La problématique, elle est de savoir, est-ce qu'il est imposé des dons de Leket, Shichra ou Péa? Soit, je vous le dis même d'office, la Péa, il n'en est pas question de le rentrer à l'AV, il était dispensé, il était goy, il n'était pas imposé de laisser la Péa. Au moment où il a cueilli, la Torah nous a dit, vous lorsque vous cueillerez, vous devrez laisser la PA, et lorsque vous cueillerez aussi de nouveau le leket, vous devrez aussi laisser le leket tomber. Et vous ne le ramasserez pas. Donc ça, pour le moment, leket et PA, c'est sûr que je suis dispensé. Shichrecha, je vous ai dit qu'il y a deux cas de shichra. Il y a celui que j'oublie, le grain de blé que j'ai laissé planter, que je dois laisser, lui aussi, tu étais dispensé, tu étais goy pour le moment. La seule question qu'on a, c'est maintenant, lorsque tu ramasses maintenant tous tes épis, toutes tes germes de blé, tu pars, et tu as laissé une gerbe par terre, est-ce que tu as le droit de venir la ramasser maintenant, parce que maintenant tu es devenu juif, et tu es imposé, ou bien non? Est-ce qu'on va dire, puisque c'est un champ où tu as été dispensé de tous les dons, parce que tu es encore goy, alors après, même si tu es devenu juif, tu n'es plus imposé maintenant du dernier don, parce que c'est un champ où tu as eu une dispense du don. Ou plus précisément, puisqu'il n'y a pas eu de shichrecha sur la kama, lorsqu'il était en planté le grain, l'épi de blé, du coup, il n'y a pas de devoir de shichrechat à Omer. Et c'est exactement la discussion qu'on a ici. Donc, Mishnah, Nocheri, Shekatsar, et Tzadehu. On a un goy qui a cueilli son champ. Vacharkach nidgayer, et après, il s'est converti. Patour, mina leket, ou mina shichrecha, ou mina pea. Il est dispensé de laisser le leket. Lorsqu'on cueille ce qui lui tombe des mains pendant qu'il est en train de cueillir. La shichrecha, ça implique les deux oublis, celui que lorsque tu laisses sur le grain de blé quand il est planté, et aussi lorsque tu ramasses toutes tes gerbes et que tu pars, et Minapéa aussi de laisser le coin du champ. Rabbi Yehuda Mechayev Bashichrecha. Rabbi Yehuda me dit non, 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 je suis d'accord sur presque tout, mais sauf sur un. La Shichrecha, et plutôt plus précisément la Shichrecha Taomer, la Shichrecha, le fait que tu laisses le Shichrecha, l'oubli, lorsque tu ramasses les gerbes de blé que tu pars, pourquoi? Shana Shichrecha et la Bishataimur. Parce que le devoir de Shichrecha, de le laisser, c'est que lorsque tu vas maintenant ramasser et entasser ton blé, à ce moment-là, il y a la mitzvah de Shichrecha qui apparaît, et maintenant tu es devenu juif, tu es imposé de la mitzvah de Péa, tandis que Chachamim, comme nous dit le Parthénora, ils vont nous dire que non,
Il y a la Shichecha Taomer et Shichecha Kama, les deux Shichecha, ça s'appelle Shichecha. Il y a une juxtaposition dans l'autre pour t'apprendre que si tu étais dispensé de l'un, tu seras dispensé pour l'autre. Du coup, cette Mishnah sera un tremplin pour entrer dans les prochaines Mishnayot. Il y aura toutes sortes de situations où, au moment de cueillir le champ, tu étais dispensé. Est-ce que tu seras imposé ensuite de celle de Zel Mitzvot, des différentes Mitzvot, comme on verra ensuite, les Atachem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.